Nous sommes ici au Stunfest dans la zone des enfants passage. Parce que quand un enfant n'est pas sage, bah, privé de jeux vidéo, obligé de jouer avec des crayons. Vous êtes vraiment, mais vraiment cruel, quoi. Regardez tous ces dessins là, on voit qu'ils appellent à l'aide. Je traîne de convention de manga au salon de jeux vidéo. Ma mission, emmerder un maximum de gens. Mad Dog est un enfoiré. Terminer FF7, ça demande de l'expérience, beaucoup, beaucoup d'entraînement et de la maturité aussi. Beaucoup de maturité. Le monde du marché du travail est de plus en plus dur. Ainsi, même le week-end, pendant les conventions, les réparateurs de chez Nintendo réparent des consoles en plein milieu de tout le monde. Je ne les répare pas, monsieur. Quoi ? Je ne les répare pas. Je les suis. C'est comme le mec qui débloque les portables dans mon quartier, il dit non, c'est pas du déblocage, c'est du service. Oh yeah, ouais. Qui est en fait une préquelle à Chrono Trigger et qui n'est jamais sortie autrement que sur Satellite View. Et que donc en japonais. Et donc là c'est une version traduite du jeu et jouable sur Real Hardware de nos jours. D'accord. C'est légal ? Alors non, ce n'est pas légal. D'accord, donc en gros tu es en train de faire un truc illégal, à visage découvert, devant des milliers de gens, et t'es content de toi ? Ah, c'est quand même bien les trucs des rétro gaming qu'on aura appelé les grands moments de l'affichage. Ouais non, ces moments on ne ratait pas une affiche du tout. C'est pas pour être méchant, mais même ma grand-mère, les bras attachés dans le dos, elle ferait mieux. Hein. Alors ma grand-mère fait mieux, c'est pas la question. Ah bah ouais, mais quand même, un moment faut... Faut savoir vaincu quoi, c'est quoi comme type de jeu ça? Wild Gunman. C'est un jeu où on tire avec un pistolet? Ouais. Ah oh, mais c'est pour les bébés. Bah voilà, encore perdu, oh là 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 là, c'est pas possible. Les films ils nous font peur avec les robots du style Terminator, la machine va dominer l'homme. Alors là quand on les voit au combat, c'est quand même vachement moins impressionnant. Hein. Franchement... C'est pas vos robots qui risquent de dominer l'humanité demain, hein. Je suis désolé. Hein. Comment ça, je déconcentre? Ah bah voilà. En fait, j'essaye d'être imbuvable avec les gens derrière eux, parce qu'après, ils me laissent jouer, et du coup, je peux jouer à leur place. Et ça me permet de couper la file, c'est génial. C'est une super technique pour faire des tests par tout le monde.